C'est parti! Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que t'es un freestyler et tu te demandes bien comment je vais définir notre sport, ou soit que tu as vaguement entendu parler du football freestyle en voyant Was faire des slaps ou Céane faire des couronnes, et t'aimerais en savoir un peu plus, et là du coup ça m'intéresse. Parce que ouais, le football freestyle c'est pas seulement des footballeurs qui font un ou deux tours du monde à l'entraînement, c'est pas seulement des stars des réseaux sociaux, c'est une véritable discipline à part entière qui peut être considérée à la fois comme un sport et comme un art. Du coup l'idée de cette vidéo c'est de présenter dans les grandes lignes ce qu'est cette magnifique discipline et pourquoi elle est aussi incroyable. Déjà, petit rappel historique, c'est très difficile de donner une date au début de cette discipline tellement elle a été inspirée par d'autres disciplines comme le cirque avec par exemple Enrico Rastelli ou Chris Christiansen, comme le football avec Ronaldinho ou Maradona, mais aussi la gymnastique et le breakdance. Mais pour moi, si on doit donner une date à la naissance du football freestyle sous sa forme moderne, ça serait 2005 avec la sortie de la vidéo de Soufiane Touzani. Suite à cette vidéo qui a vraiment buzzé, de nombreuses personnes partout dans le monde ont essayé de refaire ces gestes et d'en créer des nouveaux, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Différentes compétitions ont ensuite vu le jour, avec notamment le Red Bull Street Style en 2008, qui a permis au freestyle d'être médiatisé auprès du grand public, notamment en France, car c'est le freestyler Céane Garnier qui l'a remporté. Maintenant parlons du sport en lui-même, donc on va commencer par la définition. Le football freestyle, c'est l'art de s'exprimer avec un ballon en faisant des gestes techniques ou acrobatiques avec n'importe quelle partie du corps. Et parmi tous les gestes qui ont été créés depuis des dizaines d'années, on peut les regrouper en plusieurs catégories. Le lower ou les air moves, ça désigne toutes les figures réalisées avec les jambes en étant debout. Donc la base de ça, c'est la figure la plus connue, le tour du monde, Around the World en anglais. Il faut savoir que pour s'y retrouver, toutes les figures ont un nom. Les tricks de base ont comme nom leur créateur. Donc par exemple, Soufiane Touzani, qu'on a vu tout à l'heure, a inventé donc le Touzani ATW, donc Touzani Around the World. Autre exemple, le premier freestyler à avoir rentré un double tour du monde s'appelait Lemons, donc le double tour du monde s'appelle Lemons ATW, donc LATW. Petite complexité, la figure qui fusionne le double tour du monde avec le Touzani ATW s'appelle donc le Lemons Touzani ATW, donc LTATW. C'est un peu compliqué, mais une fois qu'on est vraiment dedans, on arrive à connaître un peu toutes ces figures. Dernière petite chose, après je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais toutes les figures qui sont lancées avec le pied opposé s'appellent alternatives suivies du nom de la figure. Donc ce qui donne par exemple pour un double tour du monde lancé avec la jambe opposée, alternative Lemons ATW, donc ALATW. Maintenant, pour vous montrer vraiment le haut niveau de cette catégorie, je vous montre un petit extrait d'une vidéo de Luca Charviesio qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur lowerman au monde. Le upper, donc ça catégorise toutes les figures qui sont réalisées avec le haut du corps, donc tête, épaules, poitrine. Parmi les plus connus, on note le blocage nuque, ou neck stall en anglais, ou le top head stall, donc le fait de garder son ballon sur le front. Pour vous donner une idée de ce que font les meilleurs dans cette catégorie, je vous laisse un petit extrait d'une vidéo de Ben Gao, un des meilleurs au monde dans cette catégorie. Изоляционный купол закупоренных намертво кукол. Это вертел нетерпения, скептики в пене и пальцы детей тычут в стены, протыкая изоляционный купол закупоренных намертво кукол. Donc le site, comme son nom l'indique, comprend toutes les figures qui sont réalisées en position assise. Je vous mets un petit extrait du freestyler Félix, qui est une des références dans cette catégorie aujourd'hui. On a
vu du coup les trois catégories qui ont fait un peu la base du freestyle, mais vu que cette discipline est totalement libre, il y a de nombreuses figures qui n'appartiennent à aucune de ces catégories et qu'on peut regrouper dans d'autres catégories. Je pense surtout au bloc qui comprend tous les gestes où le ballon est bloqué entre deux parties du corps, donc par exemple le slap, le blocage genou. Les acrobaties, pareil, comme son nom l'indique, ça comprend tous les gestes qui sont faits de façon acrobatique, avec une grande influence de la gymnastique et du breakdance. Parmi ces figures, la plus connue, ça reste aujourd'hui le Jordan Stoll, donc créé par le français Jordan. Ensuite, on a les transitions. Donc les transitions, c'est toutes les figures qui permettent de passer justement d'une catégorie à une autre. Donc là, par exemple, on a une transition qui permet de passer du upper au sit. L'expert dans ce domaine s'appelle Erlen Fagerly et il est aujourd'hui considéré comme le meilleur freestyler au monde. Dernière catégorie que j'ai pas évoquée, c'est le ground. Donc le ground, ça comprend tous les gestes qui sont réalisés avec le ballon qui est en contact avec le sol. J'en ai pas parlé dans les catégories de base car c'est des figures qui sont souvent réalisées dans le street football et moins dans le football freestyle en compétition, mais ça reste quand même une des catégories du football freestyle. Parlons justement des compétitions. Même si le football freestyle est une discipline totalement libre, il faut quand même des règles pour désigner un vainqueur. Pour synthétiser rapidement, une compétition de freestyle, du coup, c'est des battles 1 contre 1, 3 fois 30 secondes chacun. 3 à 5 juges désignent qui est le vainqueur à la fin du battle en fonction des critères suivants. Donc la difficulté technique, la diversité, la créativité et la musicalité. Maintenant qu'on sait un peu d'où vient le freestyle et qu'on a vu un peu les bases de ce sport, on va voir pourquoi il est aussi extraordinaire. Alors c'est un critère assez subjectif, mais l'enchaînement des gestes pour en faire des combos ou des sets donne un résultat qui se rapproche énormément de la danse et qui en fait donc une discipline très agréable à regarder. En plus, aujourd'hui, énormément de freestylers ont des styles différents, ce qui rajoute beaucoup de diversité à ce sport. Alors bien sûr, pour arriver au niveau des freestylers qu'on a vu précédemment, il faut passer des heures et des heures à s'entraîner. Chaque geste que tu décides d'apprendre te demande du temps, de la patience et beaucoup de persévérance. Mais quand tu arrives enfin à réussir ce geste pour lequel tu t'entraînes depuis des mois, ou ce geste dont tu rêves depuis parfois plusieurs années et qui te paraît impossible, là c'est vrai que c'est un sentiment qui est assez incroyable, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Ça peut paraître un peu bête vu de l'extérieur, car en soi c'est juste un geste, mais c'est vrai que quand on a galéré des heures et des heures pour réussir un geste et qu'enfin on y arrive, c'est vrai que cette réussite-là, elle n'a pas de prix. Contrairement au football, le freestyle football est vraiment basé sur l'entraide, le partage et le fair play. En compétition, quand un freestyler fait tomber sa balle, dans 99,9% des cas, l'autre freestyler va se précipiter pour le rendre son ballon. De nombreux meetings sont organisés un peu partout en France et les freestylers n'hésitent pas à s'y rendre pour partager leur passion, partager des gestes qu'ils ont appris et voir ce que les autres sont capables de faire. Ils n'hésitent pas à partager d'ailleurs leurs gestes avec leurs adversaires de compétition. C'est la même chose au niveau international quand tous les freestylers du monde se rejoignent au Super Bowl à Prague, qui est une compétition ouverte, qui est un peu les championnats du monde ouverts de la discipline. Il n'y a pas de frontières, pas de barrières de langage, pas de rivalité, une seule et même passion commune, le football freestyle. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le football freestyle. Ça me tenait à cœur de la faire car j'ai vraiment l'impression que le grand public a une vision assez faussée de notre sport. Beaucoup de gens pensent qu'on est juste des footballeurs qui ont raté leur carrière ou qu'on veut juste se la péter sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a quelque chose de bien plus profond derrière ça, et j'espère avoir retranscrit ça correctement à travers cette vidéo. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches et n'hésitez pas à la montrer quand quelqu'un vous demande à quoi ça sert de faire ces gestes ou à quoi sert ce sport. Du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, bye!